Oh non! J'ai réussi! Laisse-moi essayer! Non, Freddy, tu vas te prendre toute l'eau dans la figure! Ou moi! Encore! Oups, désolé, Pipou! Nos ailes ne peuvent pas boucher le trou! Alors on fait quoi? On est une super équipe, Freddy! Il faut juste qu'on trouve autre chose pour boucher le trou ensemble! Voyons voir! Ah! J'ai ce qu'il faut! Oui! Ça devrait marcher, ça! J'ai trouvé! Désolé! Qu'est-ce qui nous arrive, Freddy? J'en sais rien! Normalement, on fait une super équipe! Comme le beurre d'oiseau et la confiture! Ah, oh. Ne t'en fais pas, Pipavia! On s'occupe de toi! Super idée! Le moment est arrivé d'unir nos plumes! Ça marche! Plus de fuite! Prêt à décoller, partenaire de plumes? Oui, prêt! Flamant vole! Mon flamant vole ne vole pas! Ne t'en fais pas! Si on travaille en équipe, on va finir par y arriver! J'arrive à sentir l'océan d'ici! Il est juste derrière cette colline! On va marcher! On peut marcher en continuant à boucher le trou avec nos plumes? Bien sûr! Après tout, il n'y a rien d'impossible si toi et moi on travaille ensemble! On y va! Pied gauche en premier, ça c'est le droit! Allez, on va réessayer! Droite, gauche, droite... Non! Oh, moi j'en étais à la droite! On était censé avancer le gauche! Non, c'était l'autre gauche! Debout, Freddy, il faut qu'on se dépêche! Pied droit... Pied gauche... Pied droit... Pied gauche... Pied droit... Regarde, voilà ta maman et ton papa, Pipavia. Tu as vu comme ils sont heureux de... Attention! Pipavia! Pipavia, tout va bien? Pas bien. Ouf, au moins elle est dans l'eau. Oui, mais dans la mauvaise eau. Ses parents ne peuvent pas venir la chercher. On doit la garder dans l'eau pour aller jusqu'à eux. Mais sa caisse est cassée. On va trouver une solution. Rien n'est impossible si toi et moi on travaille ensemble. Oh non. Notre travail d'équipe ne va pas suffire aujourd'hui. Mais je pense pouvoir y arriver tout seul. Tout seul? Que devient l'équipe Pipou et Freddy? Je suis vraiment désolée, Freddy, mais on n'a plus le temps. Et le petit pingouin a un plan. Un plan de pingouin solo? Je peux mettre Pipavia sur mon dos, glisser sur mon estomac jusqu'à l'océan, comme ça, et la livrer à ses parents. Waouh! Super plan! Bravo, tu as pensé à tout! Non, pas à tout. Ça ne marchera pas parce que Pipavia doit rester immergée tout le temps. Eh bien, je pourrais arroser Pipavia en battant des ailes, comme ça, tu vois? Oh, sauf que ça ne marchera pas parce que je ne pourrai pas porter Pipavia et l'arroser en même temps. Oh, mon plan de pingouin solo ne marchera pas. Et ton plan de flamant rose solo ne marchera pas non plus. Et on n'a plus beaucoup de temps. Et je n'ai plus beaucoup d'énergie. Il nous faut un petit remontant. On réfléchit mieux le ventre plein. Un sandwich beurre d'oiseau confiture devrait nous aider. Je parie que Pipavia aussi a faim. Pas vrai, Pipavia? À faim! Je m'occupe du beurre d'oiseau. Et moi de la confiture. Attends, stop! Trop de confiture? Non, on recommence à travailler en équipe comme avant. Mais oui! Le beurre d'oiseau et la confiture sont différents, mais ils fonctionnent très bien ensemble. Et nous, c'est pareil. Oui! On peut avoir des rôles différents, mais faire un sandwich délicieux. Je veux dire, une super équipe. Réfléchis, Freddy. Tu sais comment arroser Pipavia pour qu'elle reste en contact avec l'eau. Et je sais comment la porter jusqu'à ses parents. Oh, mon battement d'aile est comme le beurre d'oiseau. Et ma glissade sur le ventre est comme la confiture. Qu'est-ce que t'en dis? On essaye encore une fois? Au travail! Abonne-toi pour découvrir encore plus de vidéos et rejoins-nous sur Disney Junior pour retrouver tes héros préférés.